Alors, attends, racontez-moi votre concept en 3 secondes. Je vous écoute. Alors, aujourd'hui, on va vous présenter la mode de demain. Il existe plusieurs styles, le style classique, décontracté, créatif, boho et fashionista. Mmh. Alors, voilà, c'est ça. Alors, racontez-moi votre concept et expliquez-moi les dessins. Là, j'ai fait le style bohémien qui n'est pas trop apprécié à l'heure d'aujourd'hui, mais qui était plus dans les temps d'avant. D'accord. Et en fait, je voulais faire ressortir ce style mm-hmm. qui n'est pas trop dans la mode, qui n'est pas. Enfin, on ne voit pas ça dans la vie de tous les jours. D'accord. Après, moi personnellement, je n'aime pas, mais j'ai voulu partager un truc qu'on ne voit pas tous les jours. Quoi. Donc, et qui existe. Et qui existe. Ok. Mais qu'on ne voit pas trop ça en France, par exemple. Je vois pas ça en France. Quoi. Mm-hmm. Très bien. Quoi d'autre comme dessin? Alors, moi, c'est plus style classique. Bah, les hommes d'aujourd'hui et les hommes de demain s'habilleront tous comme ça parce qu'il est en costard, en gros, costard, nœud papillon. Et petites chaussures, mmh. Pantalon à carreaux, c'était à la mode à l'époque. D'accord. Du coup, vu que c'était à la mode à l'époque, et ben vu que les modes de l'époque reviennent en ce moment, et ben du coup, je me suis dit pourquoi pas. Ok, tout à fait. Ensuite, on a la mode créative. Mmh. C'est une mode qu'on ne comprend pas, en fait. Parce qu'il y a de tout, toute matière mélangée et toute couleur mélangée aussi. Et du coup, bah, c'est à la mode depuis bien longtemps. Il n'y a pas de monde qui aime, mais des fois, c'est joli. Ok, très bien. Ensuite. Alors, après, vraiment une cible que j'ai appelée Esmeralda. C'est une sorte de tenue pour aller, par exemple, dans un festival de Cannes, pourquoi pas, ou dans un défilé, ou mm-hmm. en soirée ou quoi. Même dans un resto ou par exemple pour que la personne soit embauchée dans un truc de luxe ou quoi. Et je me suis dit pourquoi pas tester. En plus, j'aime bien la couleur rouge. Enfin, c'est une belle couleur. Mm-hmm. Donc, je me suis dit pourquoi pas tenter. On a créé notre propre marque W. Voilà, W. Ah oui. Qui est le sac, la marque sac. Très bien. Et que j'ai sorti avec ses boucles d'oreilles. Moi, j'aurais voulu faire les ongles, mais. Pas de main. Voilà. Ok, très bien. Alors celui-là, il est plus style décontracté boutique. Mmh. C'est une sorte de survêtement assez atypique, on va dire. Parce qu'il y a plusieurs formes, comme des sortes de triangles et tout, qui fait l'originalité. D'accord. Et qui fait ressortir la personne noir et blanc. Du coup, on va dire c'est. Décontracté, de tous les jours, le sport, tout. Ok. Et donc ça, c'est des looks qui sont... rappelez-nous votre concept, qu'est-ce que par rapport à un entretien d'embauche? Ça, c'est pas pour un entretien d'embauche. Ça, c'est... C'est les cinq styles d'embauche. Entretien d'embauche, j'aurais plus dit ça dans un truc de luxe ou... Alors, ceux-là, c'est plus pour les entretiens d'embauche. D'accord, qu'on comprenne bien, ouais. Et les autres, c'est plus ce qu'on aimerait voir. Genre, pas ce qu'on aimerait voir, en gros, ce qui va revenir dans la société, on va dire ça comme ça. Parce qu'on regarde notre société au jour d'aujourd'hui et ça commence déjà à revenir. Et plus tard, au fil en aiguille, tout le monde s'habillera comme ça. D'accord. Là, il y a plusieurs styles différents, on n'a pas fait tous les styles, mais on peut très bien voir qu'il y a 5 différents styles. Là, on a tout ce qui est événement, là, c'est classe un peu... pour les embauchements, ça plus décontracté, sportif, ça un peu un style qu'on voit pas de tous les jours, et ça dans les années qui viennent à longtemps quand même. D'accord, donc ça c'est votre projection pour l'avenir en fait. C'est ça, exactement. D'accord. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le travail que vous avez fait toutes les trois Ça a été sympa. Ouais. Et moi j'aimerais bien que tout ça, ça se crée un jour, et bien que tout ça... En fait, ça sera fait en matière biodégradable. D'accord, très bien. En gros, pour que ça, on puisse les réutiliser, que notre planète elle souffre pas, que je sais pas. Après, on peut très bien partager ça comme nouveau style aux jeunes d'aujourd'hui.
D'accord, très bien. Donc un fort impact écologique et un partage au monde. Ça, vous êtes des futures créatrices de mode, oui, peut-être. Parce que là, c'est des débuts de croquis finalement, début d'une collection presque. C'est pas plus que ça, croquis déjà. C'est pas top, mais. Mais non, c'est très bien. On a fait l'effort. Mais oui, ben, bravo, merci à toutes les trois. De rien, pas de soucis.